PGFON hey, TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut à tous. Je vais forcément te parler de d'effectifs, donc de, de composition ce soir, parce que tout de même il euh, y a eu un, un léger changement avec euh, les derniers épisodes en Ligue des Champions, en tout cas dans, dans les phases finales. Euh, J'aimerais avoir ton ressenti sur euh, la composition, les joueurs en fait qui ont commencé le match. Bon, bah quand j'ai vu j'ai vu la, la, la compo je me suis dit euh, bon on va avoir une équipe euh, qui va occuper une bonne partie du terrain en tout cas qui va être euh, dans chaque zone de, de dans zone d'action euh, je veux dire ils seront ils seront présents et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps on a trouvé des, des, des joueurs conquérants des joueurs qui allaient de l'avant des joueurs qui euh, qui, bah, qui jouaient effectivement en équipe qui se rendaient qui qui se qui se, qui se, qui se si tu veux sans ballon c'est à dire que le porteur du ballon avait toujours une solution et effectivement, quand j'ai vu cette compo, je me suis dit ouais c'est ce qui va se passer. Et on va avoir en face, bien sûr, on, on savait déjà avant que le match commence, on savait qu'on allait avoir une équipe de City, mais qui est forcément qui allait qui allait jouer, qui serait joueuse, qui serait très haut sur le terrain. Et je me suis dit enfin là on va, on va, on va sûrement avoir une équipe en face du Paris Saint-Germain qui va créer cette opposition. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps et qu'en première mi-temps. Il yeah. y avait un 4-2-3-1 qui ressemblait pas mal à un 4-3-3 finalement, ou au milieu de terrain en tout cas, je, je dirais qu'il y avait Gana gay Paredes et Verratti. Ils ont pas souvent été alignés ensemble, en tout cas sous Pochettino. Ouais. Est-ce que finalement, ça la sauce n'a pas pris entre les trois et euh, est-ce qu'il aurait peut-être fallu avoir un autre schéma avec peut-être un, un, un attaquant un peu plus traditionnel euh, je pense peut-être euh, soit, en tout cas je parle d'un avant-centre hein. peut-être Icardi ou Kin. bon c'est facile de dire ça après ouais. mais c'est vrai que la, la formation, a, la, la, la composition a changé en ce sens où finalement quand tu intègres les trois au milieu de terrain finalement tu mets que trois réels joueurs offensifs et euh, dans les matchs précédents ça n'a pas vraiment été le cas, il y en avait quatre Ouais, alors, effectivement, je, 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 je suis d'accord avec toi, simplement, c'est quand on se retrouve avec un Paredes et un Gay, un Gay qui, qui, qui va gratter des ballons et qui va euh, bien sûr euh, verrouiller l'intérieur, tu vois, quand les, les, les latéraux piquent vers l'intérieur, bah forcément, tu vas voir un Gay qui sera là, et de l'autre côté, un Paredes qui va faire le même, qui va faire avoir le même schéma de jeu, et un, et un Verratti qui est devant en, en 10, tu vois, qui va pouvoir nous dire, OK, Vas-y, je vais distribuer le ballon, je vais garder la balle quand il va falloir garder la, la, la balle, etc. Tu te dis, bon bah c'est bien, ça, ça va, c'est de bonne augure. C'est-à-dire que ok, ces joueurs-là sont placés sur ce terrain comme ça, ils vont nous apporter euh, du, comment dire, une stabilité déjà sur l'arrière, et on va pouvoir avoir des relances qui vont s'effectuer sur le milieu avec Verratti et qui va distribuer sur nos quatre avant-centres. Euh, et si effectivement cette, cette première mi-temps, on avait fait de la qualité de la première mi-temps. Nos 4 joueurs offensifs. Ouais, nos quatre joueurs offensifs. Mais si on avait fait, euh, on a vu la même qualité de, de par rapport à cette première mi-temps ouais. via la deuxième mi-temps, ben forcément, je pense que le match on le gagnait. Sauf que ben, ça s'est délité. À un moment donné, on revient du, des vestiaires. Et ce milieu, justement. Bah, il se. Voilà, se... enfin, Verratti, je pense qu'au niveau du physique, il est plus là, il est cramé à un moment donné. Et il y a plus cette transition entre la ligne arrière, la ligne avant, et on est cramé. Là, que l'équipe, elle est, elle, elle est coupée en deux. Et ce qui est quand même dommage, c'est qu'on a une équipe avec quatre attaquants, et c'est un défenseur qui marque de la tête. Et euh, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'est pas un attaquant qui puisse marquer un but, au pre... moins en première mi-temps, dans le temps fort. Faut terminer comment tu as trouvé donc ces trois offensifs donc ce soir qui ont été euh, neymar mbappé mbappé et di maria <laughs> écoute on a on a on a un neymar qui est enfin voilà qui essaye de qu'on qu voit beaucoup quand même hein, qui bouge pas mal qui crée du jeu en première mi-temps il est assez, assez extraordinaire euh, et euh, un di maria qui est virevoltant aussi euh, un mbappé que j'ai moins vu mais peut-être que en fait on le voit moins parce que en face il ils ont fait un anti-Mbappé, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Ils ont une, une tactique qui est mise en place pour justement le neutraliser, mais ça aurait dû laisser effectivement plus de place pour les autres. Voilà, je, Et après, c'est le, 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 le manque de réussite, le fait de ne pas mettre un but alors qu'on a quand même une attaque de feu. C'est l'attaque qu'on... Enfin, nous, on veut une, voir une attaque qui marque des buts, quoi. Voilà, et pas un défenseur, forcément, même si Marquinhos, je l'adore. Mais ce n'est pas un défenseur d'essayer de, de nous sauver sur un match, quoi. Merci à toi. Bah, merci à vous et puis bah, à la semaine prochaine.